Attention, c'est du... Déconnez pas, les gars. Ouais, c'est de l'officiel, là, Jacques. Tournoi des Nations, c'est du rude. L'arbitre principal... Monsieur Je M'Agrippe, bien sûr. Assisté de Lord Onance et de Monsieur Siro Cool. Je pense que l'on retrouvera régulièrement tout... tous ces médicaments tout au long de cet hiver. Voilà, on se prend tout seul la tête côté Huguette. Oui, mais c'est ça. Bravo Jacques, c'est une belle, un beau début de chanson. Et on va y songer, on va y réfléchir. Attention, coup d'envoi donné par les Gallois. Coucou. Là, maintenant c'est sérieux, non, c'est tournoi des 6 nations. Oui. Et nous sommes à quelques encablures d'une Coupe du Monde de rugby. Donc là, Jacques, les esprits se marquent. C'est à cet instant-là que les esprits se marquent. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ne bougez pas. Non, il n'a pas. Porté. Ça y est. Ça y est, c'est lancé. Voilà, boum boum. Joe, boum boum. 4-5 mètres. Ah, on va marquer. Oui, ça sent laisser. Yuk. Il y va. Pizza molle. Des pizza molle qui a été dur sur le coup, qui a planté l'olive. Pizza molle, Jean-Louis, porte-le moi la calzone, fais une calzone, Jean-Louis, porte-le moi. C'est le pizza molle pour l'équipe de France. Dans un jeu de mouvement absolument somptueux, mais on le sait, la France aime commencer. Toujours. Et c'est ensuite que ça se complique. Quelle paire s'en applique? Essai de pizza molle. Allez, avec peut-être plus de points. Magnifique essai quand même, hein, de force, de pugnacité, d'intensité. Le collectif, ils y ont cru, ils l'ont fui. Non, là, ils ont galopé comme des gazelles. Bravo, hein, bravo les gars, bravo. 6 minutes 45 de jeu, l'équipe de France a ouvert le score par un magnifique essai. Merci. Et superbe prise de Vanina. Ah, ce France-Galles m'enchante. Oui. Comme diraient les gilets jaunes, résiste. Ça a bougé. T'es couché, madame? Non. Ah, pardon. Intervention de monsieur, je m'agrippe. C'est le personnage qui a mis... Signaler une pénalité au bénéfice des Gallois qui ont perdu des lettres dans ce combat sur leur sponsor. Il ne veut plus rien dire. Pénalité. Alors que ici, ce son est en promotion. Ah oui, en promotion même. Pas cher, hein, un peu le fait pas cher. Vous en achetez 200 comme ça, vous en faites un troisième. C'est pas très gentil pour celui qui l'a composé. Messieurs, sachez que même si c'est gratuit, ça peut être bon. C'est un souci qu'on échappe au réglage parce que vraiment. Donc, rebelote, repénalité pour l'équipe de France. Qui se rapproche un petit peu plus des 20 minutes de jeu. Au cours de cette première période, on vous rappelle que l'équipe de France mène 5-0, qu'un essai a été refusé aux Gallois. En effet. Et que pour l'instant, ça s'équilibre un peu. En essai. Combien, Jackie ? Résiste ! Prouve toujours, ouais. Touche rapide au jouet, là c'est propre pour les Français qui sont debout. Ouais, t'as vu, les Gallois n'ont pas. Ils ont avancé. Est arrivé effectivement le poivron, est arrivé un petit peu vite dans la poêle et ça a tout foutu. Heureusement, il restait un petit bleu. Bon, rien d'inquiétant avec ce 5-0, mais match fermé, hein, pas décoincé. Un petit peu fermé, effectivement, tu l'as dit. Mais les conditions permettent-elles, Jacques, de se livrer totalement? Vous le saurez en écoutant la suite de cette retransmission. C'est quoi? C'est vrai que là, c'est un peu bazardeux. Oui, là, la bonne action, c'est... On est côté gauche maintenant. On va rentrer dans les 22 Huguette, avec Huguette. Petit côté, il y aura Pili et Spili tout seul. Huguette, il y va, il y est, il y a essai. Goal Huguette. Mais, que cette équipe de France se rebiffe.
Hein, c'est révolte et c'est la moutinerie. Avec celui-ci, Pénol, qui lance le truc, qui lance l'affaire. La jeunesse en force, la folie derrière. Les coups de pied, les ballons, la baballe qui cavale. Et ça passe. La dernière passe ultima ça, par Oudjet. Ça, c'est bien joué. Non, super, la 3G, passe. 4G, 5G. Oh, UG. Et c'est... Ah, 8G, là. Voilà. Go, 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 go. De la Francia, deuxième essai. Ah, ça vire à la surprise. Étonnant, non, hein? Oh, j'ai vu une pub pour Oran. Visiblement, il a un problème avec vous, Jacques. Qu'est-ce que tu as vu? Une pub pour Oran. Mais non, il manque des lettres. Tiens, il manque des lettres. Tiens, putain, tu t'énerves pour rien. Personnage et... Jacques est un personnage. Et oui. Clara Morgan, para... Il va tenter, là. Oh là là, oui, là, l'attitude là, le regard. Commando. Ah oui, commando. Le RPIMA. C'est parti, là, par contre. Cette fois-ci, regardez, ça applique. Non, toujours pas. Elles sont difficiles, celles-ci en particulier. C'est parti. C'est mieux, mais à côté. Il se passe quelque chose ici, ce soir. Il y a du vent. C'est une histoire en direct avec Sportaz, bien sûr, Canal 2 de la TNT ce soir, 31 minutes, 19, 20 secondes, ouverture du tournoi Destination en direct. Absolument. France-Galles. 10-0, mêlée pour l'équipe de France dans les 5 mètres adverses. C'est magnifique ce qui se passe ce soir. Oh, et vas-y, tout le monde au vestiaire. Il va attendre le coup. Ah oui. Ah, il a gagné quelques mètres, quand même. Il a un peu de chance. Ah, si, il a gagné. Clara, si. Et là, on tente la férocité, Vanzante. La force. Le punch, le costaud, le lard, le gros sudard, les muscles, le lard, où est le ballon, côtelette, chaballe. Spéciale dédicace donc, c'est un ancien joueur, du 15, oui, et là, du 15. Un sauvage. Ouais, non, ils sont bien recoupés, ils sont très bien. Les défenseurs quand même, non? Ah oui, effectivement, Jacques, ils sont retourné, très bien les défenseurs. Bien retourné l'escalope, mais... le bleu, escalope bleu. Rapide, hein, donc bleu. Tourner, retourner, effectivement, l'arbitre l'a dit, c'est là, la cuisine là, on va refaire dans le plat ici, c'est très bien. Ça, tôt. Ah non, pénalité pour l'équipe de France. 3 points, il faut prendre les 3 points, 3 points, on prend, voilà. Hein, on laisse respirer ses joueurs, là, cette fois-ci, elle est complètement métable. On prend 3 points, 13-0, ça ferait pour l'équipe de France. Nous n'en revenons pas. Attention, pénalité par Afrancia, là, s'il ne peut pas la louper. Pas, ça. Tu ne peux pas la louper. Ouais, enfin, c'est le premier à mettre une pénalité. C'est goal. Par Francia. Qui mène désormais 13-0. Les Gallois n'ont pas mis un seul point. Dance floor. Qui a échappé le ball. Et là, ça se tient. Clara. Elle a bien vu sur la droite, Van Zandt. Il est tout seul, mais il le livre magnifiquement ce ballon avec Saint-Médard, le docteur Médard. L'équipe de France, fantastique. À 20 mètres. Qui fait courir, galoper et chuter le ballon. Où est le ballon? Il est là, mais pour les Gallois. Où est le ballon? Nous le perdîmes. Mais pour l'instant, nous menâmes. 3-0. Direct en touche, c'est mal joué. Rien ne va pour les Gallois. Sous pression. Ils sont moins bons. Sous pression. Est-ce que l'équipe de France va pouvoir tenir ce rythme défensif? Toute la partie. Rimmel. Transmission. Sportaz. 877. Garçonnière. Sportaz. Partons en voyage. 877. France-Galles, c'est reparti. Qui c'est qui court? Où est le ballon? Le ballon. Dans les 22 françaises, on a repoussé les Français. Docteur Médard qui dégage et qui sauve la France comme l'a fait de la tour de Tassili en 1939. Ah ouais, mais là, on s'est retrouvé dans nos 22 alors qu'on était dans leur 22. Eh oui, une perte de balle, Jacques. Une perte de balle, bonsoir. Merci.
Alain Houlès à la Militant, acte 12 en direct de Toulouse. Et acte 13, ce sera sur la falaise. Ah, à toutes. Avec ce ballon qui est en mêlée. Il est où, le ballon? Il est où le ballon? Le ballon avec les assureurs des agents du service public. Les assureurs des agents du service public. Je me méfie, moi, quand je ne vois plus le ballon, je me dis, il n'y a plus de spectacle. Mêlé au bénéfice de l'équipe de France qui, je vous le rappelle, mène 16-0 en début de seconde période dans ce match face au pays de Galles. Ouais. Je n'ai pas souvenir d'un ballon qui aurait été pris en otage lors d'un match. Par un spectateur ou un arbitre? Non, pas souvenir, non. Non, Jacques, on va aller chercher si tu veux un peu, mais... Je relirai le maudit olympique. Oh, lui, il est passé. Oh, il est passé, le bougon, c'est le pas, c'est laissé. Oh, c'est laissé, Galois. Oh, laissé. Sanctionner les Français. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, on tenait bien. Ça s'est mal passé. On était bien. On a fait les amateurs. Et là. Ah, oh, c'est le plaquage ici. Il n'y avait plus personne. Et on l'a pris dans la visette. C'est du rugby boulevard. Ouais, goal. Essai pour les Gallois qui reviennent au score. Et la transformation est à venir. Ah, on a Margarita Valois. Ça devient lourd. Ils se prennent bien aussi un piramol. Jean-Louis, la sauce est piquante. Attention, transformation. Il a une revanche à prendre sur lui-même. Il reste des tacos. Et l'équipe de Galles qui revient à 9 points seulement de nous-mêmes, mais avec une envie terrible. J'ai peur à la France. Ça sent un petit vent de tristesse. J'ai peur à la France. Eh oui, il y a où essayer les Gallois. Allez, on fait reposer le sol et la pelouse. Hein, chose qu'on fait de moins en moins depuis des années et qui nous fout dans la merde alimentaire, bien sûr, depuis quelques années. Sûr. Mais là, quand même, Jacques, on peut dire que la pelouse est arrosée. Ça va, regarde. Certes, mais peut-être qu'un jour, il faudra quand même récupérer cette pelouse pour faire un potager. Aïe. Et alimenter le peuple qui souffre et mange moins. Sainement. Du traité. Sainement. Sainement. Ou elle mange du traité. Voire du sous-traité, des fois, et là, c'est plus grave. Du maltraité, normalement c'est interdit, mais... Alors, vous comprenez, demain, comment va-t-on faire pour bouffer tous? Les uns les autres. Hein, mangez-vous les uns les autres, ça sera quand même plus sympathique. Oui. Attention, parce que là, le temps tourne et la mêlée ne se déroule pas comme il faut. Nous avons parcouru 11 minutes de jeu dans cette seconde période. Et les Gallois sont revenus un petit peu, 16-7. On le rappelle à tout le monde, Jacques. Ouais, ouais. À tout le monde, tout le monde. Tout le monde, salut à vous. Merci. Ah. Et gros plan, Jean-Louis. Vous êtes de partout. La balle est entrée, elle sort maintenant actuellement du tunnel. Garde l'Est. Elle prend le train tout droit, le TGV. Oh, qu'il est salopard ce coup de pied. Cardiff. Oh, qu'il est salopard ce coup de pied. Doc Mellard est obligé de relâcher le ballon. C'est Youjet. C'est Youjet. Youjet. 27. Youjet qui fait cette faute terrible en relâchant le balle. Oh Try for Wales. Transformation. Oh. Et là, on fait moins les marioles. Et c'est
Gallois, Gallois. Et ils reviennent à 2 points seulement. 2 points seulement à 28 minutes de la fin de ce match. Quel suspense. So good. Alors que l'équipe de France aurait à tout donner. 2 points d'écart. Elle pensait avoir fait le plaisir. Super soir. Eh bien non. En face. C'est reparti dans cette deuxième mi-temps. Les deux équipes sont bel et bien là. Ouais, tout le monde est là. Vous aussi. Tout. Jean-Louis, Jackie, Jacques, David. Sport, S-P-O-L-F-A-Z. Sportaz 877. All right. 53 minutes de jeu, 16-14 pour l'équipe de France, mais qui vient de prendre les points à chaque fois et qui a du mal de plus en plus à récupérer le ballon. Et la férocité de la défense galloise. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Ouais. Bouge tout. Non, c'est perso. Perso qui rentre, perso qui va défoncer la mêlée galloise. Clairement, oui. L'air de faire commencer. Mister T qui est rentré du côté français. On cherche maintenant des stars américaines. Et il neige terriblement, Jean-Louis. Cette ambiance, cette musique. On nous prend pour des flocons. Non, Jean-Louis, ça monte. Il y a un truc qui va se passer, Jackie. Jackie, vous avez des infos? Je n'entends plus rien. Ouh, je n'entends plus rien. La bourgeoisie ou... Ah oui, pénalité pour les Gallois, attention. Ils ont le bénéfice de la pénalité. Oh. Heureusement que vous suivez, Jackie. Effectivement, apparemment, l'arbitre c'est bon. Avait... On s'est reconnecté. Quelque chose. Et lui aussi, il avait vu un petit Pearson, passage. Mais Pearson. Lui aussi, toute seule. Lui, c'est toute seule. Il est aidé de Pearson, toute seule. Ah, on a récupéré le ballon. Non, intervention de monsieur... Magrippe qui va revenir à une pénalité au bénéfice des Gallois, me semble-t-il. Il revient à la souche. Quel bordel. Pénalité, vont-ils la tenter? Oui, ils la tentent. Oh non. Pour prendre pour la première fois les devants dans ce match et mettre l'équipe de France sous pression suprême. Après avoir été mené 16-0, ils reviennent. Que vous soyez. Il va la tenter. Ah est-ce bon qu'il en a déjà mis, Jean-Louis? Affiche-nous ses statistiques. S'il te plaît. Bigard. Jean-Louis, bigard, moi. Il est loin tout de même, à l'instar de celle ratée précédemment par les Français. Ouais, mais il est bon, lui. Ah ouais, c'est bigard, c'est bigard. Bigard, c'est bigard. Ouais. Il est bon, là. Humphrey Bigard, il se les tient, il se les accroche, il les dit, c'est maintenant. Oh putain, quel suspense. Now to win. Oh, le ballon est parti. Well. Et pour la first time in the game, l'équipe de Galles passe devant 17-16, après avoir été menée 16-0. Putain, ça va mal. Oh yes! L'équipe de France doit se reprendre immédiatement. Oh. Vite! Rapidement! Nous sommes en danger. Fini le rugby doux. Maintenant, c'est du dur. Rugby dur! C'est du rugby. Dans la grammaire narrative. Oh putain, quelle remontada ils nous ont fait quand même, hein. La galloiserie quand même. Dégueulasse. Allez, là, on a pris plein de galles. Ah, le prince charge. Excusez-moi, Jacques. C'est du foutage de galles. Il y a du changement, hein, pendant ce temps-là, bien sûr. Un demi remplace trois pintes. C'est la vie à Orge, hein, visiblement sur le terrain, puisque il y a du mouvement. C'est la Piorse, tout le monde entre, c'est du Pérou hein, qui rentre. Du Pérou, et il rentre du Pérou. Oui. Lima. Il est à Lima, effectivement, là il était à l'image. On le voit. C'est une mêlée. Mêlée. Au bénéfice de Jean-Francis Coppola. Placé, hein, bien placé là, avec Topolov. Et l'équipe de France reprend les devants.
grâce à une nouvelle séquence. Ouais. Tous ensemble. Tous, ils ont poussé, ils ont marqué. C'est chouette. C'est comme ça qu'on fait. Entre copains et clopinettes. Ouais. On se soutient. Et on avance. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Vive la France. Vive la France. Contre les Gallois. Les Français sont repassés devant et hop. Mais les Gallois sont déjà là, tu vois. Deux points d'écart. C'est pas les grands boulevards. Oh, oh, oh. Qui vaincra ce soir? Vous le saurez, plus tard. Et ça a pris le jeu avec les Français qui font prendre le mieux. Et qu'ils sont de plus en plus nombreux. On va se pencher contre ce ballon. Oui, le ballon. Oui, le ballon. La jeunesse. Un tarmac, l'interception quittée. Oh, quel contre terrible! Interception de Georges Forge. The try of the death. The try of the death. The one of one on the death. Looking for wares! Looking for wares! The try of the death! Jean-Louis, Jean-Louis, calme. Transformation, les Gallois qui repassent devant maintenant, c'est sérieux. Maintenant, ça devient très sérieux parce qu'ils transforment. Et là, ils ont 5 points d'avance. Oh, c'est et sale. Là, c'est sale. C'est wild. Un tarmac qui se reprochera tout au long de sa carrière, qui sera longue. Allez, messieurs. Allez, l'action diabolique. Un coup devant, Doc, tout seul. Le Doc est seul. Quel déviage extraordinaire du numéro 16. Je ne connais pas son nom, mais alors, il a fait tout ce qu'il fallait. C'est beau, les gars. Ouais. C'est beau, les gars. Allez, les gars. L'action. Bon, les gars, là-bas, à droite. Oui, into Mac. Oui, mais tout seul, Fufana. Non, Ficou. Papa, non, c'est Ficou, voyou. C'est Ficou, voyou. Et la musique est terrible derrière, le ballon est là. Le temps est décompté dans nos têtes. Écoutez, tout est arrêté. Tout est arrêté. Qui ? Toujours perdante, l'équipe de France. Qui tente d'aller chercher au moins le match nul. Qui va finir ce match ? Arrêtez ! La dernière explosion de joie sera-t-elle bleue ? Arrêtez ! Sera-t-elle rouge ? Les Français ont avancé encore et encore. Toujours. À la fin d'une faille. Mais 3 points ne suffisent pas, il faut un essai. Un essai. Oh. Oh, il a perdu. Non, on le garde. Qui le garde? Il le garde. C'est finito. C'est finito. Et le rugby. L'équipe de France s'incline. On a cru jusqu'au bout. On a mené beaucoup. On a tant espéré de ces jeunes loups. Ils ont tellement donné, c'était... Porteuse 8-7-7 s'achève sur une défaite. Mais c'était joli jusqu'au bout. On se remettra. On se retrouvera.
live again. D'ailleurs, à ce sujet, Jacques, on se retrouve quand? Bon, pas à Caen, pas à Marseille, sûrement sur un terrain de foot, sûrement. Bientôt sur vos plateformes. La prochaine date du prochain Sportaz. Surveillez ça de près. Jusqu'ici, la France décompense. À bobo. À bobo. À très mal. Sure. Bobo, madame. Bobo, mademoiselle. Ah, bobo, monsieur.